Salut à tous les amis, c'est Captain Geek, on est au 27e épisode de RimWorld. Alors, au dernier épisode, on a eu là la base mécanoïde qui s'est pointée avec onde psychique homme moyen, donc c'est pour ça qu'on a un peu trois bonhommes qui pètent un boulon. Là, va falloir trouver une solution. Donc ce que je pense faire, c'est... Ah, tiens, une recherche en plein milieu. On va se mettre... l'autocanon, tiens, c'est pas mal ça. C'est qui pète un boulon, c'est toi. Va prendre un peu de drogue, ça ira mieux. Je vais mettre des sacs de sable en tissu. On va se mettre ça ici. Ouais, ça peut être pas mal. On va les laisser fabriquer ça. Les médicaments ici, on peut les prendre aussi. Il y a tellement de matos à prendre, quoi. C'est dingo. Je trouve qu'on n'est pas super bon en armure, hein. On a quand même pas mal de bonhommes en armure de plate, hein. Il est toujours en train de péter un boulon, là. Pourquoi? C'est quoi qu'il a? Consommation importante de drogue. Bah, arrête de droguer, ça ira mieux. Ah, il y avait quelque chose que je voulais faire aussi. C'est un conseil que j'ai eu dans les commentaires. C'est faire une zone pour le nettoyage. Comme ça, le robot nettoyeur, il va réparer... nettoyer, que les zones... où on va vivre dans la base. Je vais nettoyer ça ici aussi. Après le reste, je pense qu'on s'en moque un peu. Et comme ça, notre petit nettoyeur, il nettoie là-dedans. Ça, c'était un bon conseil, je remercie. On va les laisser fabriquer ça et on va avoir une grosse baston. Hein. Ça va être chaud. Hein. On a de la chance si on n'a pas de mort. Hein. On a de quoi ressusciter un bonhomme. Je sais pas si on le voit dans la liste là. Ouais, là. Un seul. Allez, Nec-Nec. Ah, il est bien brave ce Nec-Nec. Bon, t'as fini de te droguer toi Non. Voilà, super, le petit robot. Je crois qu'on en faisait un second là. 17h. De toute façon, il est 9h du matin. J'aimerais bien envoyer tout le monde. Parce que lui, de toute façon, il est blessé. Il est en train de péter un boulon. Je pense que c'est le moment d'envoyer tout le monde, ouais. On avait les animaux. Ah, on a un bébé Megatherium. Ah, c'est vrai, on avait un mâle et une femelle, là. Super. On va s'arrêter avec un seul autre bébé. 4, ça peut être pas mal. C'est fort, ces bestioles. D'ailleurs, elle va venir avec nous. Hein. Allez, on va les mettre là. Ils sont tous avec nous. Je suppose que j'ai sélectionné les robots avec. Lui, non. De toute façon, il pétait un boulon. Hop, on en profite, il était devant. Allez les amis, on arrive. Ça c'est cool. Alors, les cacs, je vais les caler ici. Faut que je fasse attention quand ils vont passer là, peut-être, non. Ouais, je vais les mettre là en attendant. Là, il y a le rayon du détecteur, là, je crois. Voilà, ça, c'est bien. Ensuite, les gus. Pas trop collé serré parce que ça tire des roquettes dans le tas là. Ça c'est bien. Ce qu'il faudrait faire, c'est invoquer des soldats là. Alors cochon, je vais lui garder ses points parce que je veux pas qu'elle dépense de le... je sais plus, c'est un homme ou une femme? C'est une femme, pardon. Je veux pas qu'elle dépense ses points d'honneur parce que l'objectif, un des objectifs de gagner dans le jeu, c'est avec l'empereur.
L'empereur nous invite dans son vaisseau, dans son monde, ou nous fait fuir la planète, peu importe, ou dans sa cour plutôt. Et on gagne le jeu, en sachant qu'on peut aussi fabriquer le vaisseau spatial. Et il y a l'autre victoire, en fait, où... Alors, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. C'est très long, en tout cas. La victoire, c'est on va devoir trouver une genre de tablette ou un genre de secret, un truc extraterrestre, je ne sais plus trop. Ça nous fait recommencer un peu des parties, c'est-à-dire que je crois qu'on peut sélectionner 5 ou 6 personnages et on doit refaire une nouvelle base, avoir beaucoup d'argent, monter des factions, etc. C'est très long, ça, c'est pas quelque chose, je pense, qu'on fait en vidéo. Ce que je vous dis pas, c'est des centaines d'épisodes. Mais sachez qu'il y a plusieurs façons de gagner dans le jeu. En sachant qu'on gagne, on peut rester sur sa partie, continuer et peut-être avoir d'autres victoires. Hein. Je pense qu'on peut cumuler empereur et la fabrication de vaisseaux, par exemple. Il faut que je tire, il faut que je tue lui parce qu'il a le lance-flamme. Donc, je vais faire attaquer. Voilà, je les ai sortis de leur sommeil. Donc, Trosma, tu vas demander une unité de soldats que tu vas invoquer ici. McConnell, tu vas invoquer des soldats. On pourrait faire venir ici. Je l'ai tué. On va lâcher les animaux. Et je vais essayer de détruire ça. Et eux, ils vont se taper. Je vais essayer de le jouer comme ça, là. Ça va être chaud, hein. Ah, il a eu le temps de tirer son truc. Super, on l'a détruit. Donc là, vu que c'est en train de cramer dans tous les sens... Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a en plein milieu là. Il y a Trosma qui est inconscient, mais il n'est pas mourant. Rain, 19h. Ouais, il vient de se faire détruire un poumon, génial. Et eux, je les mets là. On va mettre au contact pour éviter qu'ils tirent sur les copains en fait. Plus ils sont prêts, ils ratent pas quand ils sont à courte portée. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a les petits soldats. Bon, lui et ces deux-là, ils vont tous les croquer, les soldats. Faut être réaliste. On a ça qui me dérange et ça qui me dérange. Le problème, c'est qu'on a plein de mecs super mal. Faudrait le chercher, lui. Hein. Ah, ça m'embête. Après, il est occupé. Je pourrais envoyer les cacs là. Et je verrai ce que je fais d'eux après. Les tireurs, on va les mettre en position de tirer là-dessus. Ça va être chaud, hein. Pas ça, fais-toi tirer dessus. Lui, il va lui. Ah, lui, il va lui. Vite. Nickel. Pétez-moi ça. Tant que ça vous pète pas la gueule, moi ça me va, quoi. On va essayer de casser cette tourelle. Génial, elle a été cassée. Détruisez-moi ça vite fait là. Ouais, ça va invoquer là-dessus. Alors, on va essayer de se l'attraper dans le dos là. Super. Allez, on va se le chercher lui là. Allez au cac, comme des vrais là. Le petit, le cochon.
doucement, c'est pour tirer sur les copains là. Ça se trouve, lui s'est pris une balle d'un copain quoi. On s'en est sorti. Ok, c'était chaud quand même cette histoire. Hein. Bon. On va libérer tout le monde de ses obligations. Les gens en bon état vont sauver les copains qui sont à moitié morts. Va secourir lui. Tigre, t'es blessé, tu vas rentrer à la base. Tout le monde est blessé. Toi non. Nec-nec, toi t'es un bon nec-nec. Secours lui. Et c'est tout, hein. Un, deux. J'en ai plein qui sont tombés par terre là-bas. Oh là 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 là. Shigeko, t'es trop blessé. Toi aussi. Toi, je t'ai déjà donné l'ordre. Cochon, tu vas aider. Bûcheron. Bûcheron, je me suis compris. Un, deux, trois. C'était ça. Quatre. On va essayer de faire en sorte que les armes aussi soient récupérées. Hein. En priorité. Hein. Pour la drogue, ça se revend. C'est quoi ça, place simple? C'est Chacal qui a pété un boulon. Ah non, faut pas péter un boulon. T'es gravement blessé, non. Bon. Allez, ça va tenir, ça va tenir. Courage. Ouais, c'est bon, ils sont tous là. Ouf, ils prennent des super médicaments. Non, non, c'est pas trop... On va en garder un, quand même. Ça aussi, en cas de maladie. Tant pis, allez. Tigre qui est en train de soigner. Faut aussi qu'ils n'aillent pas se coucher ou faire des trucs bizarres. Hein. Pex, c'était un soigneur. Heavy. Non, c'est pas Pex. Oui, Pex était soigneur. On a deux soigneurs KO. Il y a Heavy. Qui est en train de quoi là? Oh Evie, sérieux. Ça te dit pas de sauver les copains? Plutôt qu'aller t'asseoir au fin fond du truc parce que t'as envie de parler avec quelqu'un en pissant le sang. Sinon tout va bien. L'autre il est en train de... Oh, ils sont tarés quand ils font ça. Mais ils sont tarés. Vraiment hein. Vraiment. C'est ils me font... Ils me font délirer, mais total. Toi, tu vas mourir une heure. Ouh, j'avais pas vu lui. L'autre, il est en train de le soigner. Mais il faut qu'il ait la petite barre arrive avant. Hein. Et en sachant, ça sera peut-être qu'il va mourir. Ça a remis un peu de temps, mais c'est pas génial. Hein. Tigre, qu'est-ce que tu veux pas soigner des gens ? Toujours lui. 4 secondes. Bon, ben, on va devoir ressusciter le cochon. Parce qu'il s'est fait exploser la tête. 1, 2, ciao. tu me l'emmènes où, toi? Alors, carrément, direct, hein. C'est, on perd pas de temps, tu pisses le sang, mais tu vas l'amener. Ah, c'est le robot, pardon. On va le ressusciter. Où est-ce que tu l'amènes? Oui, tu l'emmènes là-bas avec les autres. Ok, génial. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Chacal qui est en pleine forme. Où est-ce qu'il était? Ouais, c'était le dernier, on en a eu 3. Après, c'est fini, hein. J'espère que tout le monde est soigné, vraiment, par contre. Allez, allez, hop. Au milieu des cadavres. Tu veux pas le transporter? Sérieux, tu veux pas le transporter? Tu l'aides quand même. Ah oui, mais j'avais piscine. Eh ben dis donc, moi je vous dis c'est pas facile. Lui il a pas d'arme là. Tiens, prends une mitrailleuse.
Eh ben, on a fait un bel hôpital, mais limite, c'est trop petit, hein. Parce que là, on a eu grave de blessés, hein. On n'a pas d'ailleurs... Ah, super, hamster. Ouh, toi, t'es pas en forme, hamster, mon coco. Qu'est-ce qui te manque? Un petit orteil gauche et l'index gauche. T'es alcoolisé. Pas bien. Tu peux aller là-bas à moitié en train de mourir, mais c'est pas grave. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Allez, un autre nettoyeur. Juste le sortir. En train de pisser le sang et tout. Hop, et il va aller au nettoyage ici. Oui, il répare un peu tout, comme ça. Ouais, ouais, ok. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer à tout détruire. Alors, toujours, étant de la zone d'un ciel ouvert, il faut détruire toujours les toitures, les amis. Sinon, quand vous pétez les murs, ça vous tombe dessus. Vous n'étiez pas au courant, vous êtes au courant. Surtout là. Et ensuite, on va démolir. Joyeusement, tout démolir. Le sol, enlever le sol. Démonte. Sont... Ouais, ça leur fait un peu d'occupation. Bon, mais c'était tendu cette histoire quand même. Moi, je vous le dis, hein, c'était tendu. Trosma, il te manque tes armes. Ouais, mais par contre, est-ce qu'ils sont allés me les ramasser, les armes là-bas aussi? Mais non, hein. Tout le monde a lâché son arme dans la baston. Vas-y, va t'équiper ça. Un autre. Rain, il va mieux déjà. Putain, ça va vite. Hein. Où est-ce qu'ils ont lâché leurs armes là? Bon, c'est peut-être pas le tien celui-là, mais c'est pas grave. Et Pex. Oh, c'était l'arme de Pex, mais c'est pas grave. On va lui en trouver une autre. Je sais pas d'ailleurs où elle est. Parce qu'ils sont tous tombés dans les pommes bêtement là tout à l'heure. Bon, c'était peut-être le pistolet mitrailleur qui était là, bon là. Non, lui. Et notre ami le cochon, lui, il avait perdu son arme de corps à corps. On va faire en sorte qu'il ramasse tous les bestiaux là. Surtout ça, des composants, le plastacier. Ça, oui, pourquoi pas, tant qu'on y est. Allez, ça. La drogue. Ouais, c'est bon, ils vont ramasser ça aussi. Ça, on va pouvoir tout démolir. Ça fout le bordel dans la zone, ça. Hop là, allez, à dégager tout ça. Et même démolir ça. Ce qui va faire que zone, retirer une zone de base, c'est retirer celle-là. Toi aussi on peut, et les petits bonhommes, ouais, on peut les envoyer en déchetterie. C'est un truc spécial ça, transporter, ouais. Noyau de bouclier, je sais plus à quoi ça sert. Ah, c'est pour générer un bouclier anti-impulsion. Ouais, d'accord, c'est un genre de composant. Oh, c'est pas mal. T'es un chasseur, toi. T'es un gros tank. C'est très étrange. Ça se fait que t'es en chasseur, toi. Chasseur, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est là, c'est pas grave, ça.
Je pense que la montagne tient tout. Il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête. Tout détruire là. Oui, il y a les générateurs, tout le bordel là. Ouais. On verra plus tard ça. Sol. Enlever le sol. On fait du bois. Du bois gratuit. Ah, il y avait des trucs à miner là. Et je fasse attention, il n'y a qu'une porte ici pour qu'il passe par en haut les gus. Et je renforce, que je ferme ici peut-être. Je peux démolir ça. Une deuxième juste histoire de. Ah, ça tombe un peu là, ouais. Ouais, faut faire gaffe à ça là. Ouais, faut faire un peu attention. Et vite nous tomber sur la gueule. Je pourrais transformer des pièces en. Je pourrais. Ah, je vais pouvoir faire quelque chose là, j'ai une idée. Là, il faut du câble. Hein. J'ai cassé comme un idiot. Il faut du câble. Pour l'électricité, là. Parce que là, ça va s'abîmer. Il y a encore un peu de temps, mais ça va s'abîmer. Ok, nickel. Allez, faut que ça bosse. Hein. Éruption solaire, ça va aller. Bon, toi, tu remets là. On va plutôt le démolir plutôt que mettre des trucs dessous. Dessus, pardon. Dedans même. Bon, il faut qu'ils aillent bosser. Ils vont y aller. Hein. Ils vont y aller vite. Énergie, c'est presque fait. Ah non, arrêtez de vous tabasser la gueule, quoi. Vous êtes sérieux, les mecs, là? Oh là là. Ils se sont éclatés la tête, quoi. Alors par contre, je crois que j'avais pas de truc de brasserie et je l'avais démonté en... Ouais, non. Désinstaller. Plutôt déplacer. On peut le mettre là. Ce qui veut dire que ça... On peut le mettre à côté. Pour bien faire. Et là, faire un petit siège. Mieux, non? Ça a l'air mieux. Moi, je trouve que ça a l'air mieux. Pourquoi on peut pas? Il n'y a pas assez de cuir, on va tuer des animaux. On va les laisser un peu travailler déjà. La clim là, faut baisser la température. Voilà.
là, faut qu'il fasse des trucs. Faut miner là. Quelqu'un mine. Il n'y a plus de mineur ou quoi dans ce jeu? Mineur. Alors, on va te faire miner en premier, toi. Ils vont y aller. Voyageur, prie pour la charité. Ça, c'est les trucs, voilà. C'est le moment où on peut se dire, on essaie de trouver quelqu'un de bien. On avait 15 bonhommes. Humilité psychique, boulimique, pas trop. Grande marcheuse, douillette, non. Après, ça peut être un intellectuel, mais douillette. Perspicace, chez tout, non. Bonne mémoire, transhumaniste, jaloux, non. Cancre nerveux, ben non. Ils veulent quoi? 70 herbes médicinales. Juste 70? On est 575. Allez, vas-y, je suis sympa. Tiens, cochon, c'est toi qui vas le faire. Ça peut donner un petit bonus d'avoir aidé des mendiants et tout. Faut pas croire, hein. Ça mange pas de pain. Mais on aurait pu en capturer un sans conséquence. Du temps à leur donner, mais il leur donne en tout cas. Par combien les transporte? Par 25? Voilà. Logiquement, c'est censé faire quelque chose. Non. Des fois, il y a un truc de charité. Bon, ça doit pas être dans mon... Allez. Infestation des déchets. Alors, j'ai eu peur, c'est une coïncidence. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça une infestation. C'est tout nouveau ça. Je au secours. Alors là, Nek qui est blessé parce qu'il s'est pété la gueule avec l'autre. Ok, génial, tout va bien. On a un problème, mon commandant. Toi, t'es comment? Toi, tu vas y aller. Vous allez tous y aller, là. Personne n'est dehors. Les robots, les mecs, on va les mettre dans la zone de raid. Si lui, il y arrive... Oh, le pauvre. Non, on va pas y arriver. Ah, donc, infestation des déchets, c'est ça, en fait. C'est pas... Siphon. Animaux. C'est peut-être un animal à moi, ça. Est-ce que c'est un animal à moi? Non, ça aurait été Megatherium 1. Non, je sais pas s'ils y vont l'attaquer. Non, même pas, je rêvais. Est-ce que je pourrais essayer d'en chauffer un pour qu'ils viennent attaquer? Qui c'est qui a un truc qui tire loin là? Toi, cochon. Oula. Ah non, il attaque la bestiole, ouais. Allez, allez, vite, 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 vite. Prends ton temps. Il y a un petit décalage à chaque fois, je sais pas pourquoi ils font ça dans le jeu. Voilà. Ouais, enfin voilà, c'est quand même chaud, quoi. Ça y arrive, quoi. Allez, les quatre devant. On va lâcher les animaux. C'est chaud, là. Par contre, là, on n'oublie pas de chasser les bestioles. Et il faudrait que notre ami Trosma... Alors, il faut que ça enlève les messages, là. Ça aime bien les laisser.
Voilà, que tu... Alors... Ok, et les animaux non restreints. Quelqu'un le soigne. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il n'y a pas de place pour... J'en ai fait plein. Pourquoi il va dormir là en particulier? C'est une zone ou quoi? Non, c'est pas une zone ça. Oui, c'est zone de raid. On va la mettre là. Oh, tu dégages. Ok, super. Ok, ils font ça. Alors, les animaux, j'avais dit qu'il faudrait en tuer plutôt la faune. Il fallait en tuer pour faire un peu de cuir là. Du cuir, ça? Ah non, ça va faire du cuir de buffalo. Bon, pas grave, c'est pas grave. Je vais les tuer. Un loup des bois, on va le tuer. Non, ça va faire du cuir de loup. Ça, c'est du cuir léger. Super. Rachutage de déchets 374. Tu rêves la nuit ou quoi? Non, non. Non, je suis pas d'accord. Là, c'est combien la température? À ciel ouvert. Pourquoi ici, c'est à ciel ouvert? Ah, non. Non. Ouais, faut vraiment que ça soit couvert ici, hein. Ça va péter les trucs. Trois. Oula, faut se dépêcher, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les bestioles, là? Les guns que vous avez, vous allez les tuer, quoi. Voilà. Quand je dis que vous allez les tuer. C'est bon, hop. Ces bestioles à chaque fois. C'est un peu tendu parce que ça tape quand même super fort quoi. Je suis en armure mais quand même quoi. Ça m'a blessé quoi. Ok. Ça on verra plus tard. La mitrailleuse sur la dinde, j'adore. Tigre. Construction. Au moins E. Non, je me suis trompé. Allez, faut construire là. On va arrêter de chasser, on va construire là. Allez, je veux que tu me fasses tout là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Sérieux? Vengeance de loup des bois, bah vous me la tuez la louve là. Voilà. Recherche. On va aller sur arme de précision, fusil d'assaut, ouais. Minigun, ouais. Oh, écran plat, c'est cool ça. Médicaments, production de médicaments, ah ben oui. C'est bon, on est revenu à intérieur 4 degrés. 2 degrés. Nickel, ça me va. Agrandir zone. Voilà. On est pas mal, moins 9, nickel, je suis content. C'est ce que je voulais. C'est trop smart le papa de tout ça là. Hamster, oh là là, je me les confonds les deux. Allez, va me réparer ton poteau là. Hamster. D'un coup, le moral est mieux, hein. Content là.
Oula, toutes les bestioles énormes. Ils sont mi-custos là. Ouais, faudrait les mettre en 1 les cuisiniers quand même. Hein. Priorité quoi. Hein. Voilà, ça va mieux. On va supprimer une zone agricole. On peut récolter au moins les champis derrière. Je pense que ça fait beaucoup de champis, étant donné qu'on a cette zone énorme là en champignons. Je pense qu'on est quand même super bon. 3000. Oh là 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 là. C'est beaucoup, hein. Bon, ça en est où là? Pourquoi personne casse ça là? Ah, est-ce qu'ils bossent là-dessus? Bien raison, tiens. Le bois, 733. Il y a quasiment plus de bois. Hein. Tour, oh, je dis ça, il y en a plein là. C'est vrai que ça repousse. Il y a pas mal de drogue qui est en train de disparaître là. Ah, c'est pas top ça. Allez, vas-y, je les envoie en vrac. Je m'en fous de savoir ce qu'ils font. Vite. Lui, une jambe en lui. Nec, ramasse la drogue. Après, il ramasse rien du tout, oui. Bébé méca qui s'est débrouillé à se prendre là-dedans. Tout va bien. Evie va aller soigner le bébé, ouais. Ah, tout d'un coup, c'est propre, tout ce bordel, là. Finalement, le houblon, il en faudrait peut-être un tout petit peu plus, hein. Voilà, genre ça. En train de tout perdre la récolte. Bon, là, il y a les gros champis pour du super tissu. Ah, c'est blindé, là. Oh, super, l'Empire arrive. Pile au moment où j'ai besoin de vendre la drogue, l'Empire arrive. Ils ont pas autant de trucs qu'une ville. Mais sérieux, on va en profiter à fond. On va attendre qu'ils rentrent un peu. Je veux pas commercer, avoir des trucs ici. Allez, nickel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop. Super, et ils ont pas beaucoup d'argent, alors on va voir d'abord ce qu'on pourrait leur acheter. Hein. Déjà, on peut peut-être enlever les armures toutes pourries là. Rien du tout, ils ont des guns quoi. Ils ont des guns. Ouais, je veux pas tout vendre. Hein. Mouais. Un peu de médoc. Et là, mince. Ouais, on fait un truc comme ça, quoi. C'est pas super, cette histoire. Sniff, hein. Et au moins, ça fait de la place, quoi. Ça a fait de la place. C'est quoi ça quand même? Boue. D'accord. Vitesse de déplacement 48. Ça va disparaître la boue avec le... Ou faut que quelqu'un y nettoyer en fait. Bon là, ils enlèvent tout. Nickel. Donc on peut agrandir en récupérant ça. Là on est bien. Moins 9. Nickel. Ça c'est fait. Les robots rechargent là. Faudrait qu'ils aillent ailleurs. Hein. Sauf que je peux pas le déplacer ça. Et non, dupliquer, ça prend des ressources. Pour l'instant, c'est pas la cata, on peut les laisser. Juste boss. Ah, il peut pas recharger. Attends, on va t'enlever. Hamster. Transporte-le vers le chargeur. Le pauvre petitot. Nickel. Bon, ça c'est bien. Les deux nettoient la base à fond. Est-ce qu'il y en a besoin de deux pour nettoyer? Est-ce qu'il y en a un qui peut pas nettoyer un peu partout?
On va tenter. Le 2. Ah, il tombe en panne parce que les chargeurs sont blindés. Carrément. M'en fous. Bon, je vais en faire un autre chargeur. Non. Oui. Ouais, où est-ce que je pourrais les mettre, les chargeurs? Une fois que je les pose, je peux plus les enlever. Hein. Il me faudrait une salle, une pièce exprès. Une pièce exprès. On va creuser ça. Ça me laisse de la marge pour faire éventuellement des pièces ici. Même aller creuser là, faire des pièces là si vraiment j'ai envie. Hein. Qui c'est? Encore? Mais je suis maudit. C'était tout super tendu. Et c'est quoi ça? Cracheur de fumée, c'est encore pire. Ok, le jeu me déteste et me fait apparaître que ça. Bah d'ailleurs, les armes, j'ai pas récupéré des super armes. Y a plus de place, je sais même pas où elles sont. Là. Pourquoi t'as pas d'armes, toi? Toi, t'es quoi? T'es un cac? Pourquoi t'as pas... Bah, t'as pas d'armes? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas tombé dans les pommes par là? Non, il y a plein d'armes là, pas d'armes là. Bon, je sais pas, je sais plus où est ton arme, Coco. Tu peux te mettre ça, hein. Épée longue en métal. Toi, t'as déjà ton plasma, toi t'as ça, toi t'as un plasma, toi t'as pris des pistolets mitrailleurs. Hein. Putain, toi tu vas changer par contre. Pour le bon. Toi aussi, pour le normal. Ça va être pas mal. Hein. Ouais, ça va être pas mal. Est-ce qu'il y a un bouclier de protection là? Non, par contre, il y a des cellules que je pourrais faire péter pour tuer tout le monde. Ou ne surtout pas les péter pour les récupérer. J'ai pas de bouclier, lui. Non. Activateur de proximité. Je pourrais les bombarder, mais j'ai pas fait d'obus et tout. Faudrait que je commence à en faire presque. Hein. 4,5 jours. Bon, les amis... On est pas mal sur cet épisode. Prochain épisode, voilà. Début d'épisode, on va devoir affronter ça. On a des mecs qui sont blessés. Je crois qu'il y en a un qui a un poumon en moins et tout. C'est un peu le bordel. Mais pourquoi pas. Il faudrait que je fasse une petite... Il faudrait vraiment que je produise des obus, là. C'est pas là qu'on fabrique des obus. Obus hautement explosifs. J'en ai 12, 10 déjà. Je pourrais en avoir toujours 20. Faire, on va commencer. Alors j'avais installé ici, mais je pourrais installer là. Je sais même pas où installer ça, quoi. Au pire, je le réinstalle. Ouais, il faudrait que les obus soient juste à côté, qu'ils tapent pas un voyage, donc faudrait faire une salle exprès avec les obus dedans. Genre lui, stockage. Obus de mortier. Critique. Il faut voir où est-ce que je les ai, qu'ils soient pas dans un endroit déjà critique. Je sais même pas. Où est-ce qu'ils ont les obus de mortier? Là, normalement, dernière nouvelle, ils étaient pas loin d'ici. On a quand même bougé pas mal de trucs, c'est cool. Hein. Là, c'est des zones, ça. Je supprime ça. Non, c'est une zone, ça. Je suis pas fou. J'arrive pas à la sélectionner. J'ai réussi. Hop. Voilà, je suis pas fou. Faut que je retrouve les obus. Voir où est-ce qu'ils sont.
Super, ils sont 50 à avoir la grippe. Donc c'est pas le moment de combattre, quoi, en gros, hein. Ça me permet de vérifier où sont mes obus, mais je les vois pas. Bon, on verra bien si j'arrive à les trouver à un moment donné, quoi. J'ai dû passer 10 fois devant. Sinon, déjà, quelqu'un me les a transportés, ouais. Quelqu'un me les transporte là. 14. Bon, ben voilà, c'est sûr que je risque pas de les trouver si on me les bouge. C'est quoi ce bruit, là? Ah non, 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 pas ça, hein. Pas les trucs avancés, c'est complètement con, quoi. Tous qui sont pleins à avoir la grippe et ils viennent pas tous. Pourquoi? Ils sont blessés de fou tous. Bon, allez, mais ça fait du... Ça fait du bordel tout ça. Donc toi, de toute façon, tu m'intéresses pas. Bah écoutez, allez, on va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine pour le 28e épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire. À bientôt.